concernant les conséquences de l'interruption du flux artériel dans les ischémies aiguës des membres. Le témoin le plus précoce de l'ischémie est la nécrose cutanée. L'ischémie musculaire est à l'origine d'une rhabdomyolyse. L'ischémie nerveuse est de mauvais pronostic. Non, dans l'absolu, elle n'est pas de mauvais pronostic parce que c'est le témoin le plus précoce. En absence de collatéralité bien développée, l'ischémie musculaire peut être irréversible au-delà de 6 heures. Oui, absolument. L'axonotmésie, c'est une conséquence d'ischémie nerveuse. Bien sûr. Deuxième question, dans le syndrome de reperfusion des ischémies aiguës, l'importance de l'œdème est proportionnelle à la durée de l'ischémie. Oui, oui, oui. C'est vrai, et puis c'est proportionnel également à la masse musculaire ischémique. Donc c'est proportionnel à la durée et à la masse de l'ischémie, la masse musculaire. B, l'œdème est dû essentiellement à une insuffisance cardiaque droite aiguë. Non. Ça n'a aucun rapport. Les aponevrotomies de décharge ont pour objectif de soulager la compression de l'âge musculaire. Oui. Une diurèse forcée peut limiter les conséquences métaboliques. Oui, oui. Voilà, donc A, C, D. Le syndrome de reperfusion des ischémies aiguës des membres peut avoir comme conséquence une compression des loges musculaires. Oui. Une insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée. On peut avoir une insuffisance rénale oligo-aminique dans les cas les plus péjoratifs, mais on peut toujours avoir une insuffisance rénale à diurèse conservée. C'est possible. Ce n'est pas une nécrose tubulaire aiguë, non. C'est une tubulopathie, mais ce n'est pas une nécrose tubulaire aiguë, non. La nécrose tubulaire aiguë est due à un état de choc, un hypodébit rénal. Ce n'est pas une nécrose tubulaire aiguë. Une rhabdomyolyse. Oui, oui, oui. Une rhabdomyolyse, oui. Une insuffisance cardiaque. Non, une insuffisance hépatocellulaire. Non. Donc A, B, C. Le syndrome de reperfusion des ischémies aiguës des membres peut avoir comme conséquence générale maintenant. SDRA, oui. Insuffisance rénale aiguë oligoaminurique, oui. Hypercalémie, oui. Hypoprotidémie, non. Une thrombophlébite. Alors oui, si on enlève général, le mot général. Alors on peut avoir une thrombophlébite par compression veineuse, secondairement à l'œdème, mais c'est une conséquence qui est locale. Donc ce n'est pas une proposition exacte. A, B et C. Au cours du syndrome de reperfusion des ischémies aiguës, le syndrome de détresse respiratoire aiguë est quasi constant. Il est très rare et le plus souvent d'origine cardiogénique. Non, il est lésionnel. Secondaire à une altération de la membrane. Oui, secondaire à la libération des radicaux libres. Oui. Oui. Peut-être prévenu par le lavage de membres. Oui. Oui. Toutes les causes générales, les conséquences générales de la reperfusion peuvent être prévenues par le lavage de membres. Dans les ischémies aiguës des membres, le lavage de membres permet de prévenir les conséquences métaboliques du syndrome de reperfusion. Oui. Il se fait avant la désobstruction artérielle. Non. Ça se fait dans le même temps opératoire, mais après la désobstruction. Et fait uniquement en cas d'ischémie aiguë par thrombose de pontage. Non, ça n'a aucun sens. Permet souvent de désobstruer l'artère. Non, ce n'est pas le but. Permet de prévenir la récidive de l'ischémie. Non. Qu'est-ce qui permet de prévenir la récidive de l'ischémie? L'héparine. Avec le stent, c'est le traitement de la lésion en cause. Ça ne permet pas de prévenir l'ischémie, la récidive. Ce qui permet de prévenir la récidive, c'est l'héparine, les anticoagulants. Les ischémies aiguës emboliques sont le plus souvent d'origine cardiaque. Absolument. Surviennent sur des sujets plutôt âgés. Non. Peuvent être secondaires à une endocardite. Se traduisent toujours par une douleur brutale. Alors si on considère une embolie sur artère pathologique, ou artère
Pas toujours. Le plus souvent, c'est une douleur brutale, mais c'est le mot « toujours » auquel il faut faire attention. Donc c'est faux, non? Bien sûr, c'est faux. Sont traités par une embolectomie à la sonde de Fogarty? Oui. Quand on met toujours, la réponse est fausse. Quand on met dans l'absolu, sont traités par une embolectomie, oui, c'est vrai. Donc faites attention à ces détails. Parmi les cardiopathies suivantes, quelles sont celles qui peuvent se compliquer d'ischémie aiguë? Alors, c'est le genre de question qu'on vous mettra peut-être jamais dans le concours parce que c'est. Il y a un piège, mais c'est très nuancé. Alors, quand on dit anévrisme du VG, RM, cardiomyopathie dilatée, c'est vrai. Donc, B, C, D, c'est une proposition qui sent juste, ce sont des propositions. Alors, reste kyste hydatique du VG, myxome d'oreille droite. Alors, je vous le dis, un kyste hydatique du VG peut donner une ischémie aiguë, le membre. Hein? Oui, c'est vrai. Non? Oui, parfois, oui, ça peut donner. D'ailleurs, les kystes hydatiques du ventricule droit également peuvent donner des embolies pulmonaires, par exemple. Hein? On en a vu maintenant en pratique. Donc, kystes hydatiques du VG, c'est une proposition qui est vraie. Alors, reste le A. Alors, myxome de l'oreillette droite. Alors, dans la quasi-totalité des cas, c'est le myxome des cavités gauches qui donne des. D'ailleurs, les myxomes sont très emboligènes. Mais c'est pour vous inciter à vous rappeler toujours de l'embolie paradoxale que j'ai mis cette proposition, qui est dans l'absolu vrai. Parce qu'un myxome de l'oreillette droite peut se compliquer d'une embolie pulmonaire, qui peut se compliquer d'une HTAP. Et chez ce même patient, on peut avoir un shunt intracardiaque, on peut avoir une embolie paradoxale. Théoriquement, ça peut survenir. La question ne précise pas les circonstances, toutes les circonstances, mais quand on lit la question dans l'absolu, ça peut donner, c'est possible. Mais on ne vous donnera pas de questions pareilles. Mais c'est juste pour vous dire, faites attention aux embolies paradoxales. Vous pouvez avoir un cas clinique, vous pouvez avoir des questions sur l'embolie paradoxale, c'est pour que vous vous rappeliez de ce mécanisme très particulier que j'ai mis cette question. Et pour moi, c'est vrai. Parmi les causes de thrombose aiguë sur artère saine, syndrome de l'artère poplitée piégée, oui, compression extrinsèque, phlegmasia ceruléa, pareil, anévrisme poplité. Alors, c'est plus thrombose sur artère pathologique. Anticorps antiphospholipides. Oui. Ergotisme médicamenteux. Oui. Cause toxique. L'embolie paradoxale est une complication fréquente des thrombophlébites des membres inférieurs. Non, c'est très rare. Hein. J'en ai vu une fois ou deux fois dans ma petite. Survient exclusivement lors des thrombophlébites d'origine néoplasique. Non, ça n'a rien à voir. Nécessite obligatoirement la présence d'un shunt intracardiaque. Là, c'est vrai. Et souvent de résolution spontanée. Malheureusement, non. Nécessite une hypernothérapie curative par voie générale. Oui, pour une double cause. Pour la thrombophlébite et pour l'ischémie. Lors du syndrome de l'artère poplitée piégée, l'obstacle est dû à une exostose osseuse. Alors, une exostose osseuse peut donner une ischémie aiguë, mais ce n'est pas le syndrome de l'artère poplitée piégée. Alors, les exostoses osseuses, ce sont des surélévations osseuses au niveau des os lents qui peuvent comprimer les artères des membres et peuvent donner des ischémies par thrombose. La lésion causale est souvent unilatérale. Oui. Les poutres distaux sont toujours absents. Rater? Oui, poplité, mais ce n'est pas toujours absent. Qu'il me toujours, il y a fait la différence.
on parle de l'aine. On ne parle pas de l'ischémie aiguë du syndrome, alors du syndrome de l'artère poplitée piégée. On parle du syndrome de l'artère poplitée piégée. Comme ma femme. Comme tu chances de l'aine. Si c'était une ischémie aiguë, les poux distaux, bien sûr, ils vont être absents. Mais dans le syndrome, quand l'artère poplitée elle est comprimée par les tendons ou les muscles, on peut avoir un pouls qui est aboli, un pouls faible, mais il est là quand même. Toujours les pouls sont absents. On peut avoir des pouls absents, mais pas toujours. Ce sont des anomalies anatomiques. Fais le cours, non? C'est? Oui, je suis en et je suis en mais c'est faux. C'est faux. Donc, Narja. Exostose osseuse, c'est faux. Unilatéral, c'est faux. Alors, généralement, c'est une lésion qui. C'est les deux, mais c'est pas nécessairement symétrique. Alors, les bouts distaux sont toujours absents. Méfiez-vous du mot toujours. Hein? Méfiez-vous du mot toujours. Dans la plupart des cas, c'est des propositions qui sont fausses. Le mécanisme de la thrombose est dû à une hypercoagulabilité. Bien sûr, c'est faux. Toutes les propositions sont fausses. Donc, c'est vrai. Donc, E. Concernant la phlébite bleue de Grégoire, l'ischémie est due à une embolie paradoxale. La thrombose veineuse est distale. Le patient est souvent peu symptomatique. Non, ils sont très symptomatiques. Le traitement peut nécessiter une thrombectomie veineuse. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Dans les cas rebelles au traitement médical, à l'héparinothérapie, on peut avoir recours très rarement à une thrombectomie veineuse. L'ischémie est due à un spasme artériel. Oui, essentiellement, c'est un spasme artériel. Donc, D et E. Les pathologies suivantes peuvent se compliquer d'une thrombose artérielle aiguë par hyperviscosité. Ergotisme médicamenteux. Athérosclérose. Alors, dans le cours que j'ai mis, je n'ai pas fait la différence entre hyperviscosité et hypercoagulabilité. C'est la même entité étiologique dans ce cours. Bien sûr, dans d'autres cours, de médecine interne, on fait la différence entre l'hypercoagulabilité, c'est très spécifique. Mais dans les ischémies aiguës, on fait pas, c'est le même groupe étiologique. Donc quand on dit hyperviscosité ou la hypercoagulabilité, c'est pareil. Donc A et B, c'est faux. Syndrome des anticorps antiphospholipides. Oui. Déficit en protéines S. Oui. Déshydratation sévère. Oui. La thrombopénie immunoallergique induite par l'héparine peut entraîner des thromboses artérielles et veineuses. Oui. Bien sûr. Survient dans les 24 heures qui suivent la prise d'héparine, entre le 5e et le 10e jour. C'est la définition. Hein. Nécessite l'arrêt immédiat d'héparine. Oui. Peut être dû à la prise d'HVPM. Si. C'est plus rare. Et c'est vrai. Elle est traitée par la protamine. Non. La protamine est un antagoniste de l'héparine. C'est vrai, mais ce n'est pas le traitement de la thrombopénie immunoallergique à l'héparine. Femèche correcteur. Dans cette pathologie, on utilise ce qu'on appelle l'argatroban. C'est un autre. En fait, il faut utiliser un anticoagulant autre que l'héparine. Ce n'est pas nécessaire de connaître, mais c'est l'argatroban. C'est une autre famille d'anticoagulants. Alors, le kyste adventiciel poplité est une pathologie de la femme jeune. C'est plutôt l'homme. Hein? Ça peut toucher la femme, hein, mais c'est plus le sexe masculin. Et toujours bilatéral. C'est plus unilatéral. Toujours unilatéral. Est une cause de thrombose artérielle aiguë sur artère pathologique. Oui, ce sont les artères qui sont pathologiques. Est une cause d'embolie sur artère saine. Non. Pas du tout. Et souvent retrouvée à la palpation. Oui.
Non, non, on ne le retrouve pas, la palpation. Sauf quand on, parfois, quand on plie, quand on plie le genou, on peut le retrouver. Et c'est rare. Bref, c'est un point de vue. Mais quand on vous dit peut-être retrouver à la palpation, c'est vrai. La réponse, la proposition est souvent retrouvée à la palpation, ce n'est pas vrai. Mais on peut changer la question. La proposition peut être retrouvée. Peut-être, c'est vrai. On peut le retrouver quand c'est un kyste qui est de grande taille ou elle est chez les patients maigres. On peut le palper. Mais dans la plupart du temps, on ne peut pas le palper. C'est un kyste dans la paroi de l'artère. C'est un kyste dans la paroi de l'artère. Ça fait partie de la paroi artérielle. Ce n'est pas les kystes, le kyste synovial. Ce n'est pas un kyste synovial. C'est un kyste adventitiel. Pas la même chose. Parmi les causes de thrombose de pontage, alors je ne l'ai pas mis dans le cours, je me rattrape dans les questions. Les causes de thrombose de pontage vasculaire, alors toutes les propositions sont vraies. Sauf le E, bien sûr. Alors, vice technique, c'est-à-dire un problème technique au niveau de l'anastomose, une non-observance du traitement médical, par exemple le Sintran ou les anti-agrégants plaquettaires, une compression positionnelle de la prothèse, le trajet de la prothèse qui n'est pas bien fait par le chirurgien, un bas débit cardiaque, également, ça peut entraîner une occlusion de pontage. Donc, A, B, C, D, sans vrai. Lors d'une ischémie aiguë de membre secondaire à une dissection aiguë de l'aorte, le mécanisme est le plus souvent une embolie d'origine cardiaque? Bien sûr que non. Un tableau d'ischémie aiguë de membre peut être au premier plan? Oui. Le traitement de la dissection ne peut jamais résoudre l'ischémie? Non. Alors, si, c'est vrai. Alors, le traitement de l'ischémie donc passe obligatoirement d'abord par le traitement de la dissection. Dans la plupart des cas, cela permet de résoudre l'ischémie. Dans les cas où l'ischémie n'est pas résolue, on a recours à une fenestration. On appelle ça une fenestration qui peut être chirurgicale ou endovasculaire. La fenestration, c'est aller réséquer la membrane flottante. Comme vous le savez, dans la dissection, vous avez un vrai chenal, un faux chenal. Et vous avez entre les deux une membrane flottante, une barrière entre les deux. Dans ces ischémies qui ne se résolvent pas par le traitement de la dissection, on fait une fenestration, on réseque la membrane flottante, c'est-à-dire on enlève la barrière qui est entre le vrai et le faux chenal, et donc le faux chenal ne comprime plus le vrai chenal. Alors, le faux chenal est comprimé par le vrai, c'est l'inverse. Et la prise en charge peut nécessiter une fenestration chirurgicale? Oui. Donc B et E. Selon la classification de Rutherford, lors d'une ischémie aiguë de type 2B, les troubles neurologiques sont minimes. Le membre est immédiatement menacé. Oui. La douleur est absente? Non, elle est permanente. L'amputation est inévitable? Heureusement que non, c'est dans le stade 3 où l'amputation est inévitable. Le traitement est urgent? Oui. Très, très urgent. Parmi les signes de mauvais pronostic d'une ischémie aiguë, les flictènes? Oui. Mollets durs et douloureux? Oui. Parasthésie des orteils? Non. Paralysie complète? Oui. Absence de douleur ischémique? Oui. Non. Absence de douleur ischémique, c'est le stade 1. Le stade 2. Oui, vous avez des douleurs, bien sûr. Sauf si, si on prend le cas où tous les nerfs, c'est un stade très, 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 très tardif. Mais ce n'est pas le but de la question. L'absence de douleur ischémique, c'est le stade plutôt très précoce. Donc, A, B et D, les réponses. Lors d'une ischémie aiguë embolique, une obstruction d'une artère iliaque, il y a un mata proximal, préalablement saine et évoluant depuis 6 heures. C'est un délai qui est assez lent pour une ischémie aiguë, 6 heures.
La rhabdomyolyse est peu importante. Au contraire, la douleur est importante et concerne tout le membre. Oui. Les aponévrotomies de décharge ne sont pas indiquées. Si, elles sont indiquées, donc proposition fausse. Les conséquences métaboliques du syndrome de reperfusion sont souvent graves. Oui, très graves. L'enjeu scan des membres inférieurs est indispensable avant tout geste thérapeutique. Hein? Artère saine, pas d'examen complémentaire, même pas un écho de cœur. Pathologique, Warta, c'est indiqué. Il faut le faire. Tu mets de l'héparine, tu dois faire absolument un enjeu scan quand l'artère est pathologique. Quand c'est un artérétique. C'est l'orientation, c'est le terrain. C'est la présentation clinique, c'est le terrain. Et puis il y a les autres signes, maintenant l'ACPA, etc. Non? Par exemple, oui. Ça fait partie du tableau clinique. Alors, sujet, patient âgé, ayant des facteurs de risque, ayant des pots abolis de l'autre côté, c'est vraisemblablement un patient artérétique. La prise en charge thérapeutique d'une ischémie aiguë de membre peut comporter une thrombolyse artérielle in situ, une héparinothérapie par voie générale, fibrinolyse par voie générale. Non, on ne fait pas de fibrinolyse par voie générale pour une ischémie. Une hémodiafiltration. Oui, c'est l'équivalent d'une hémodialyse. Hein. C'est une autre technique, mais c'est l'équivalent. Une diurèse forcée. Oui. Donc A, B, D, E. Lors d'une ischémie aiguë, les critères artériographiques suivants sont en faveur de l'origine embolique. Bien sûr, les questions sont... Ce que j'ai mis pour vous, c'est un complément du cours. Hein. Parfois, vous trouvez des choses qui ne sont pas nécessairement complètes dans le cours, mais c'est un complément du cours. Ça vous permet de compléter le cours. Alors, c'est ce qui est en faveur de l'origine embolique. Circulation collatérale bien développée. Non. Arrêt cupuliforme. Médiacalcose. Non, la médiacalcose, c'est les artères pathologiques des diabétiques essentiellement. Présence d'un anévrisme de l'aorte abdo. Minal. Si. Oui. Si, parce que c'est une des causes des ischémies emboliques. Obstruction du carrefour aorto-iliaque. L'obstruction du carrefour aorto-iliaque dans l'angiographie, ça rappelle le syndrome de Lorich. C'est la claudication bilatérale avec la dysfonction érectile. Donc c'est des patients qui sont très malades. C'est athéroscléreux. Donc, ce n'est pas embolique. Donc, B et D. Dans les ischémies aiguës, les arguments en faveur d'une thrombose athéromateuse, une histoire de claudication. Oui. Absence de pouls sur le membre contralatéral. Oui. Présence d'une arythmie complète par fibrillation. Non. Présence d'un kyste poplité connu. Oui. Non. Un kyste poplité, ce n'est pas une athéromateuse. C'est une artérite non athéromateuse. Le début brutal de la symptomatologie, non. Donc A et B. L'apparition brutale d'une douleur et d'une froideur de la jambe droite avec abolition du pouls poplité droit et des pouls distaux. Simple. Douleur et froideur de la jambe droite. Abolition du pouls poplité droit et des pouls distaux homolatéraux. Avec un pouls fémoral droit qui est présent chez une jeune femme, évoque une occlusion aiguë de quelle artère? Alors c'est entre le pouls fémoral qui est présent et le pouls poplité qui est absent. Alors vous avez la fémorale superficielle et l'artère poplité également. Je vous rappelle que l'artère poplité commence juste avant le creux poplité. Quand on ne trouve pas le pouls poplité, l'artère poplité peut être l'origine de l'ischémie, juste au-dessus du pouls. Donc C et E, toutes les autres propositions sont fausses.
Enfin, dans le cadre de l'éducation d'un artéritique, la marche quotidienne d'au minimum 30 minutes est fortement recommandée, au moins 3 fois par semaine. La marche quotidienne peut être suffisante pour stabiliser un patient en stade 1 ou 2 de la classification de Ulrich. Alors 1 ou 2, c'est 1, c'est le stade asymptomatique. Stade 2, c'est le stade de claudication. Et oui, la proposition est vraie. L'exercice quotidien permet d'améliorer le périmètre de marche en favorisant le développement de la circulation collatérale. Le taux d'hémoglobine glycosylée doit être maintenu supérieur à 7%. L'axe. Toutes les propositions sont fausses. Donc A, B. Alors, premier cas clinique, jeune homme de 19 ans, AVP. Alors, le bilan initial, luxation postérieure du genou, gauche. Alors, ils le prennent en charge en orthopédie, ils font une réduction en ordre chirurgical et ils mettent en place un plâtre chiropédieux. 36 heures après, il a toujours mal. Donc, il a un tableau d'ischémie du membre, pour abréger. Quel est le stade de gravité de cette ischémie, sachant qu'il a des flictènes et des marbreurs? Ça croit. Quel est le mécanisme le plus probable de cette ischémie? Oui, traumatisme. Mais... Hein? Alors, c'est la lésion, c'est une lésion de l'artère poplitée secondaire à la luxation postérieure du genou. Alors, cette. C'est une lésion. Il n'y a pas. La luxation, les condyles fémoraux vont comprimer l'artère. Ils peuvent même sectionner l'artère. Ils peuvent entraîner une contusion, donc restant dans l'absolu, mettant en lésion de l'artère. Quelle est votre conduite à tenir? Qu'est-ce que vous faites pour ce patient? Il faut amputer. Alors, amputation du membre inférieur, on ne va pas entrer dans les détails de la... du niveau de l'amputation parce qu'on n'a pas assez de détails. Il faut répondre amputation du membre, malheureusement. Alors, deuxième cas clinique, une jeune femme de 34 ans, elle consulte pour une douleur brutale du membre supérieur gauche évoluant depuis 3 heures. Alors, elle a des paresthésies, elle a une involution des poux, elle a une froideur et une parésie, des signes neurologiques modérés. Quel est le stade de gravité? Alors pour dire 2B, il faut avoir une douleur permanente et des signes neurologiques complets. Donc c'est le stade 2A. Quelle est la première attitude thérapeutique que vous adoptez aux urgences? Donc bolus, déparine, etc. Quel élément manquant à l'examen physique qui permet d'orienter fortement vers l'origine embolique de cette ischémie? Oui, il a raison. Le CG fait partie de l'examen clinique. Ce n'est plus considéré comme un examen complémentaire. Donc, c'est la recherche d'un trouble du rythme. L'idéal, c'est de faire un ECG, mais on peut toujours ausculter le patient. Dans l'interrogatoire, on retrouve la notion de douleur radiculaire C8D1 déclenchée par l'abduction du bras, signe très caractéristique. Du syndrome du défilé cervico-brachial. Voilà, c'est la réponse à la question 4. Quels sont les mécanismes possibles de l'ischémie dans ce cas? Ça, c'est une question difficile qu'on ne vous mettra probablement pas à l'instant. Alors, les mécanismes possibles de l'ischémie dans ce cas. Alors, vous avez thrombose sur artère saine, par compression extrinsèque. Il y a un autre mécanisme, c'est l'embolie sur artère pathologique à partir d'un anévrisme. Alors souvent dans ces syndromes, on assiste à la formation d'anévrisme post-sténotique. Après la compression, l'artère se dilate. Et à partir de cet anévrisme, on peut avoir, tout anévrisme peut se thromboser,
Là, il peut donner des embolies. Donc, et à l'esprit, c'est ce mécanisme particulier dans ces syndromes secondaires à la formation d'anévrisme post-sténotique. Il y a plusieurs maladies, c'est une compression chronique. C'est une compression chronique. Chronique, oui. Alors, cas clinique 3, homme de 40 ans, HTA, douleur importante. Douleur impotente du membre inférieur droit évoluant depuis 2 heures, faisant suite à une douleur thoracique et radiant vers le dos. Ça, c'est hein, très facile. Hein. Alors, avec une asymétrie tensionnelle, etc. Quelle est la cause la plus probable de dissection? Quel en est le mécanisme le plus fréquent? Du vrai par le faux. Il y a d'autres mécanismes, hein, mais elle est le plus fréquent. Siège approximatif de quoi? Hein? Pas du tout. Impossible. Seul l'angioscan permet de déterminer le type de dissection. Après un bilan radiologique, le diagnostic dissection aiguë type B compliquée d'ischémie aiguë du membre inférieur droit est posé. Quelle est votre attitude thérapeutique à l'égard de l'ischémie aiguë? Alors, ce qu'il faut répondre, c'est traitement de la dissection, sans entrer dans les détails. Hein. Trois cas d'échec, c'est la fenestration. Voilà. Traitement de la dissection, si échec, enfin, si non-résolution de l'ischémie, fenestration chirurgicale ou endovasculaire. Donc ça, c'est facile. Hein. Cas clinique 4, une jeune femme de 36 ans, elle est hospitalisée pour une thrombophlébite. Alors, 24 heures après, douleur du membre s'accentue, impotence, paresthésie, avec des signes d'ischémie distale, froideur ou disto absente. Quelles sont les deux étiologies d'ischémie aiguë du membre pouvant être en rapport avec une thrombophlébite? Voilà, phlébite bleue, l'embolie paradoxale. Quel est l'examen complémentaire qui permet d'orienter vers l'une des deux étiologies? L'écho cardiaque. L'examen en question est revenu strictement normal. Alors si l'écho cœur est normal... Alors, tu fais, je prends l'écho Doppler, comment tu peux faire le diagnostic d'une phlébite bleue? Quatrième enjeu de la thrombophlébite. Sauf si c'est un excellent échographiste et il te permet de voir le vasospasme, mais c'est très difficile. Alors, l'écho-cœur est normal. Quel est le geste thérapeutique à faire en cas d'ischémie menaçante, persistante, malgré une hyperinothérapie bien adaptée? Thrombectomie veineuse. C'est rare. Hein? Alors, cinquième cas clinique. Alors, un patient de 75 ans, hypertendu tabagique. Alors ça, c'est un cas clinique très particulier, très difficile, je pense. J'ai eu le même cas clinique avant-hier. Alors, admis aux urgences pour un syndrome coronarien aigu avec élévation de ST en antérieur étendue, élévation importante des enzymes cardiaques. C'est pas de la cardiologie. Hein. À l'examen... On note une petite tension à 8,4, une fréquence à 120, une abolition des deux poux des deux membres inférieurs, colon, une froideur et une marbrure des deux jambes avec une paraplégie aiguë. Quelle cause de cette ischémie bilatérale des deux membres inférieurs faut-il suspecter chez ce patient? Alors c'est une forme dissection. Alors ce qui permet d'orienter vers la dissection, c'est toujours... le syndrome aortique aigu, la douleur qui irradie vers le dos, l'asymétrie tensionnelle. Là, c'est pas le cas. Alors, j'ai entendu état de choc cardiogénique, oui. Alors c'est un tableau, dommage, c'est très particulier. Ce sont des patients âgés, tarés, qui font
un syndrome coronarien aigu ou une autre cause d'état de choc cardiogénique. Donc ils font un bas débit et secondairement à ce bas débit cardiaque important, ils font une occlusion aortique aiguë. C'est une occlusion, c'est un thrombus, c'est un embole si vous voulez. Voilà, une occlusion de l'aorte. C'est pas une occlusion d'une artère fémorale ou une artère axillaire ou l'aorte. C'est l'aorte. Et généralement, c'est la bifurcation iliaque. C'est la partie terminale de l'aorte. Au-dessous des artères rénales, c'est l'aorte abdominale surrénale qui s'occlut, qui se thrombose. Et quand ça thrombose, alors c'est des malades qui sont... C'est une pathologie qui est mortelle. La mortalité est très, très élevée chez ces malades. Donc ça donne un tableau aigu, brutal, d'ischémie bilatérale, très sévère, avec des signes neurologiques très importants. Et c'est le cas chez ce patient. Monsieur, oui. Je n'ai pas compris comment le bas débit peut donner une occlusion. Le bas débit est une cause d'hyperviscosité et d'hypercoagulabilité. Le bas débit cardiaque est une cause d'hypercoagulabilité et d'hyperviscosité sanguine. Donc ça entraîne une thrombose sur même une artère saine. Et dans ce cas, c'est l'aorte. On en voit, alors. Ça peut se voir, Matage. C'est pas très fréquent, mais surtout les patients âgés. Alors, quel examen complémentaire non invasif permet-il de confirmer le diagnostic? Pour faire le diagnostic d'une occlusion aortique aiguë, on ne peut pas aller jusqu'à Donc la réponse est l'angioscan des membres inférieurs. La technique de l'angioscan des membres inférieurs commence, les clichés commencent à partir des artères rénales. Quand on demande un angioscan des membres inférieurs, ça commence à partir des artères rénales et donc ça permet de faire le diagnostic dans ce cas. Voilà. Cas clinique 6, enfin. Un homme de 62 ans, diabétique sous insuline depuis 10 ans, tabagique, dyslipidémique, donc il a presque tous les facteurs de risque. Alors, il a eu un pontage fémoro-poplité gauche susgonal, pontage du membre inférieur, par prothèse il y a 9 mois. Alors, il consulte pour une douleur permanente du membre inférieur gauche, évoluant depuis 12 heures, avec froideur, anesthésie et paralysie du même membre. Peau fémoraux présent, tous les autres peaux des membres inférieurs sont absents. Stade de gravité. Ce n'est pas un stade 3 parce qu'il n'y a pas de signe cutané. C'est un stade 2B parce que les signes neurologiques sont au complet. Mécanisme le plus probable de cette ischémie. Très facile, thrombose de pontage. Quel examen complémentaire qui permet de confirmer le diagnostic et de faire au mieux un bilan complet de l'anatomie des artères des membres inférieurs? Alors, angioscanner. Alors, parce que pour confirmer le diagnostic de thrombose pontage, on peut faire un échodoppler. Mais pour faire au mieux un bilan complet de l'anatomie des artères des membres inférieurs, c'est l'angioscanner des membres inférieurs. Quelle est votre attitude thérapeutique? Alors d'abord, héparine, bolus d'héparine, puis la dose d'entretien. On tente une thrombolyse in situ, parce que c'est moins invasif. Sinon, si échec, on reprend le pontage. On refait le pontage plutôt.